Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 7 Days to Die, sur la vague 4, toujours en coop, toujours les mêmes copains, et on avance progressivement. Donc je vous propose dans un premier temps de faire rapidement l'état des lieux de ce qu'on a fait, car oui, on a encore changé de base. Et qu'est-ce que vous voulez? On pense que c'est important, je le rappelle, on découvre le jeu sans tuto, sans trop aller chercher sur internet de ci, de là. Donc peut-être que ça va vous faire rager, vous allez vous dire, voilà, les gars sont à l'âge de pierre alors qu'ils sont à la vague 4. Peut-être. Écoutez, c'est notre première partie, on découvre le jeu, pour nous ça fait partie du plaisir. Donc voilà, c'est un risque que nous prenons. Ensuite, eh bien, on regardera directement la vague et je vous récupérerai pour une petite outro, afin de débriefer un petit peu sur ce qu'on aura vu et surtout de vous dire vers où on va, car oui, nous avons des objectifs. Alors, d'abord par rapport à notre base. Donc, nous sommes partis dans le biome de neige au nord, parce qu'on trouvait au niveau du loot, c'était pas ça. On avait besoin d'un peu plus de choses. On voulait voir si on pouvait évoluer un petit peu technologiquement, on va dire. Donc, on est parti au nord, car on sait que c'est un biome bien un peu plus violent, mais qui apporte aussi un peu plus de loot. Voilà, donc on est arrivé dans la ville, on a commencé à faire une église, on s'est dit c'est génial, aller en hauteur, tout ça. Et finalement on a trouvé une espèce de capitole, une espèce de tribunal au sein de la ville. On s'est dit nickel, on a commencé à faire une espèce de salle des coffres, on va dire presque tout en haut. Et tout en haut, notre cuisine, voilà. Et on a commencé à observer un petit chemin logique que je montrerai dans la vidéo où j'ai blindé de pièges. On verra bien si ça fonctionne ou pas, et surtout c'était stratégique car toutes les maisons à côté, ben, c'était quand même haut level et ça nous permettait d'aller chercher des bouquins et d'avoir des récompenses plutôt intéressantes. Voilà, on a fait l'aller-retour deux fois avec les vélos et la moto de Zano à notre ancienne base. On a récupéré au moins l'agriculture, la cuisine, car écoutez, on a perdu le casque qui permet de boire tranquillement. Qui filtre l'eau tout simplement, de boire dans les piscines, tout ça. C'est pas les responsables, apparemment c'est peut-être moi qui l'aurais mis au pied de Zano, et puis Zano n'aurait pas regardé à temps et tout, tout ça, je me fais quand même assez incriminer. Bon, et on va refaire des petits smoothies yuka, on a ce qu'il faut. Bon, allez, j'arrête de parler, je vous laisse directement profiter de la vidéo et on se retrouve juste après. Let's go! Allez, go pour la vague 4. Là on est pas mal, j'espère juste que ce tombeau ne sera pas notre tombeau. Il est beau hein, cela dit. Hein. Putain, on avait oublié de lancer les... Ça manque un peu d'électricité, mais... Bah, prochaine vague, franchement on fait cette vague. Ah, c'est quoi ces méga orages? C'est un rapport avec la vague ou... Ouais, je crois. Franchement, prochaine vague, je me penche dessus. J'espère juste qu'avec mon cerveau, ça va fonctionner quoi. Et Doc il m'a ramené... Hein? Un arc à poulie niveau 2. Ah non. Je laisse. Pour moi c'est ton arc. Du coup Doc tu m'avais ramené un livre. Ah oui mais c'était pas un livre piège. Tu m'as ramené un livre robotique. Pourquoi je peux pas faire les matraques électriques? Pour elle robotique, je suis à 20 sur 39. Ah oui parce que je suis à 20 sur 23. Ok. Le marteau robotique, faut que je regarde si ça vaut cher à faire niveau 4. On pourrait en avoir un qui reste en permanence. Hein. Qui repousse sur les flèches, sur les pièges. Ah ouais, mais alors attends. Marteau. Il faut des pièces robotiques, 4. 160 fer forgé. Putain. 40 ressorts. Bon, bah on fera ça la prochaine fois. Ouais. Ah, vous êtes fait un petit lit là? Ah c'est le mien, je l'avais fait depuis un petit moment. Mais je pense que t'as raison en vrai. C'est du tissu qu'il faut? Et regardez. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah tu repeins? Je vais écrire supply. Bah où? Ah oui, super. T'as écrit où? Regarde sur la caisse en bois à droite. Médic, il y a où Médic? Ah non, les lits c'est des fibres, non? Ah oui, c'est des fibres, exact. Ouais. C'est les trucs de base. Ah mais c'est cool avec le pinceau. C'est vrai que j'ai même pas pensé à l'essayer, quoi, t'as qu'à voir. Je sais pas où sont tes pièges, je vais rester en haut, là, du coup. Je vais te montrer juste pour que tu sois au courant, Zano. T'es où? Pardon, Zano. Tiens, regarde bien. Hein, jusqu'à présent,
Jusqu'à présent, les zombies, ils sortaient de là, là. Ouais. Vois? Tombe pas. Ah oui, je vois le piège, ouais, effectivement. Donc voilà, ils rentrent en dessous. En fait, ils arrivent en dessous là. Ils arrivent souvent de la droite, tu vois le trou là? Ouais. Et ensuite, ils font ça. Je les ai vus faire. Ils font tout le tour comme ça, ils passent à droite. Et là, tu vois, j'ai un petit peu piégé jusqu'au truc. Et Ça généralement, a raté les couilles là-dedans. ils sortaient qu'à gauche là-bas, au fond à gauche. Ok. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui sortent trop vite et ils tombent du toit et ils recommencent. Ok. Et nous, on n'a pas besoin de ce chemin-là, donc c'est cool. Et ici, là où je suis, Doc a fait une petite porte, c'était par où on était rentré là, tu vois là. Ouais, ok. Oh, c'est stylé, hein. J'avais un petit chemin le leak, les gars. J'ai déjà mis 3 points de coup américain, Sano il arrive avec sa machette, il fait. C'est fini. Over. Et pour. Oh putain, ouais, tu leur mets cher, hein, tu les one shot. Ah, je visque la tête par contre. Non, là, je suis le Wolverine Auvergnat avec mon tire-bouchon. Mettez-vous full bouffe et full Ouais, pot, je comme suis on a full fait. bouffe, mais je suis pas full haut. Mais par contre, du coup, bah les Yuka, on verra plus tard. Mais qu'est-ce qu'il a C'est fait? toi qui as fait de la peinture là? Non, mais il nous a fait le chemin présidentiel. Comme ça, vous savez où il faut aller. C'est vrai. J'espère Alors, juste que tu bon, n'as je suis pas monté peint dessus avec depuis notre maintenant, sang. mais. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Qu'est-ce que t'as dit? J'espère que tu n'as pas peint avec notre sang. Bien sûr que non, pff, tu rigoles ou quoi? Enfin, quoi. C'est moi qui dis ça alors que c'est moi qui osais le plus tuer. Sans faire exprès, bien sûr. Par contre, Doc, ouais, tout le. Toute Ils sont l'argile y est passée. Hein. où les. On a plus de bois par contre, les Les gars? boissons? Les yucca? Attends. Là, j'en ai 4 qui restent. Je vais les mettre en smoothie. Moi, je pense qu'il m'en faut qu'un. Après, ça fera bien la nuit, hein, j'espère. Ouais, attends, j'ai oublié. Oh là, je vais Ah, mais j'ai prendre. pas le truc de smoothie. Ah, tu l'as pas encore? Non. 5 bombes en tuyau là. J'ai pas. Je remets du coup les trucs dans le coffre de droite. Ok, mais pour moi, tu l'avais déjà la dernière fois quand on était à l'ancienne base? Je vais regarder là, je vais regarder. Smoothie au jeu du yucca. Ah si, mais si, je peux. C'est avec des myrtilles qu'il faut ajouter. Pour du yucca, de la myrtille et de la boule de neige. Et bah, t'as 92 yucca, 69 myrtilles et 688 boules de neige. Et je crois que ça donnait un gros, gros, gros bonus, hein. Les gars, on a mis où l'équipe de réparation? Je sais pas. On a quoi? L'équipe de L'équipe de réparation? réparation. Oui, il y en a 12, je crois, Ah oui, dans c'est bon. le. Ah, mais Ah en là. fait, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait directement dans l'inventaire, le craft. Ah ok. Et tous les crafts, tu peux les refaire dans le. Dans l'établi, hein, si tu veux pas l'avoir sur toi. Ah oui, t'attends que ça se fasse. Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai remis des balles, Got. Ok, cool. De 9 mm? Ouais. Oh, j'en ai Oh, 239, je pense j'ai que ça va. Hein. 23 smoothies là qui sont en attente, mais c'est 40 minutes. Hein. Ah merde. Sinon, tu peux aller boire hein, des smoothies Non, mais j'ai bu, dans c'est les bon. jus. J'ai bu. J'avais 4 eaux sur moi au cas où aussi. Mais ça fait longtemps que je les ai. C'est à quelle heure? 21h ou 22h que ça commence les 22, machins là? 22. 22. Par contre, là, ta caisse, je l'aurais pas mis là. Hein. Ouais, je suis en train d'y réfléchir là. Mais il n'y a plus rien dedans d'intéressant. J'ai tout planté, hein. Ok. Tout planté Par contre, on sans a plus de bois, but. les gars. T'as dit Pardon? quoi? On a plus de bois. Ah ouais, on a tout claqué au fur et à J'en mesure. ai 100 sur moi. Je vais peut-être aller boire un dernier jus de yucca pour être bien. Merde. Je vais manger les petits steakos. Une fois que les steaks sont cuits, ils servent plus à rien. Faut les manger comme ça. Ouais, c'est ça.
Pensez à prendre des blocs de construction sur vous pour monter en hauteur si jamais c'est la merde. Bah j'en ai pas, moi j'ai pas de bois, j'ai rien. C'est pas grave, ça ira. Bah je vais t'en ramener du bois là. Par contre en hauteur avec le brouillard rouge de la lune de sang, on voit pas grand chose hein. Tout le monde a ses stéroïdes d'ailleurs. Ouais. Non j'en ai pas fait hein. Mais c'est vraiment nécessaire. Franchement ça me met bien, hein. Ça fait 50% de capacité de transport, 10% de course. Non je vais pas prendre, je trouve que ça sert à rien. Par contre on n'a pas fait une dernière échelle pour aller tout en haut. C'est ce que je voulais faire mais du coup j'ai lancé les crafts de machin de merde là et je suis encombré. Ah merde, bah sinon il aurait fallu que tu foutes les crafts dans l'établi hein. Ouais mais là je vais pas avoir le temps. Je vais juste faire un truc vite fait. Got, je te mets un petit peu de bois dans le coffre de transfert. Ah ouais parce que là ça va arriver hein. Et pensez à prendre des bombes tuyaux aussi. Oh, moi non, je vais vous tuer. Dis pas ça, Goth. Sans faire exprès. Ah oui, pardon. Ouais, j'avais oublié de préciser. Ok. Bon, bah, t'as pris tes balles, les anneaux ? T'as pris tes balles, Goth, je veux dire ? J'en ai 200, tu crois qu'il faut que j'en reprenne ? Oh, bah, je t'en ai mis 150 là. Moi, je vais en reprendre la moitié. Ah c'est un lit que je voulais me faire, merde on a pas de fibre hein, quelque part, on a touché la fibre. Ouais je crois bien. Là, on peut faire un lit avec ça. Avec le couffrage. Oh là là, le lit double il coûte cher hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est parti les gars. Ouais j'entends. Hop. Et il t'en reste des feuilles là ? Ah, il a resté une. Deux. Ok, tant pis. Tu vois rien ? Non. Oh, il y a des verres. Il y a un flic vert en bas là. Ah ouais. Oh putain, c'est rampé. Ah ouais, c'est plus chaud que la dernière fois, je pense. Bah... normal, hein. Bon bah, ils sont rentrés. Merde, je suis tombé. On a quand même laissé l'échelle pour que tu puisses remonter, hein. Ah bah Zano, ça, God, ça a fonctionné, hein. C'est vrai? Ah ouais, ils sont rentrés. Et par... Derrière toi. Oula. Mais c'est un zombie clair. C'est pas un zombie normal ça. Franchement ce qui est bien c'est que les gens ils pourront voir que c'est vrai quand je te dis qu'il lag. Quand je suis en clic droit avec le viseur tu peux pas viser. Pardon, t'as vu ce truc? De quoi? Mais c'est un colosse quoi. Ah oui j'ai vu ouais. C'est un colosse en armure Got. En fait moi j'ai du lag quand il y a la vague. Il y a trop de zombies. Faudrait que je baisse les graphismes, je pense. Bizarre. Oh là là, ils sont passés par là. Oh, ils arrivent, ouais. God, j'ai besoin d'aide. Ouais, je vais crever moi aussi. J'ai des verres et tout sur moi. Ah, ouais, mais il y en a. Oh putain, il a explosé, il a pété la moitié de la baraque. Oh putain. J'ai pris des dégâts de chute. Comment c'est possible? J'ai le parcours à fond. Ah je me suis évité vraiment. Ouais je pense que je vais mourir aussi. Bon. Ah cool je suis mort juste avant de... Après avoir... Oh, sont tous sur moi. Ouais je... Bah non ça se passe comment père? Écoute j'ai réussi à m'échapper, j'en ai mis vraiment pas mal à terre là. Tu verrais tout ce que j'ai sur moi là. C'était génial quand t'as dit ça quand même, Zano. Ah y'en a un qui est... Oh y'a du vomi. Oh, ce qui est bien c'est que j'aurai vous pourrez voir le replay quoi. C'est abusé hein. Ah
Ouais, non mais franchement, c'est. Ben voilà, c'est bien. Franchement, c'était pas si facile que ça. Ça rechallenge le jeu, quoi? Le jeu trop facile Oh! Ouais, je suis mort. Ah, j'ai respawn à l'autre bout de la map par contre. Franchement, ça va être compliqué de s'en sortir, je pense. Est-ce qu'il y a un gros tas de zombies à un moment là? Moi là où j'étais, oui, parce que je les avais kite. On se croirait sur une vague Black Ops quoi. Enfin. Bluff. Moi aussi, mais parce qu'ils étaient tous packés au même endroit, ouais. Ah ouais, bah ils sont plus là. Hein. Salut! Yo! Par contre, ils ont défoncé mes pièges en 2-2, non? Pour pouvoir. Ah bah ouais, ouais, mais en même temps, t'as vu le colosse qu'on s'est mangé là? Ah non, mais il y a encore le piège là, c'est qu'ils sont pas passés par là. Y en a qui sont passés par ton endroit là, et y a un autre où ils sont passés par un autre endroit. Ah, c'est là qu'ils sont passés. Façon, demain on verra, y a des trucs partout. Trop nul quoi. C'est dommage, il aurait fallu vraiment reboucher quoi. Tu les vois, Zano? Non. Ah, tu crois que quand on est nul comme nous, ils disparaissent après? Ah non, je pense qu'ils disparaissent pas. Vous êtes à l'étage ou vous êtes tout en haut? On est sur le toit. Et ça se trouve, ils sont à l'intérieur du bâtiment. On en les entendrait, non? Taper. Je sais pas. Mais finalement, un point trop en hauteur. Ça sert à faut rien. Pas commencer trop haut, je pense. Hein. Ouais, ouais, ça sert à rien en fait, on voit rien. Et eux, ils se mettent à l'abri sous le bâtiment. Faut vraiment un bâtiment droit qui est pas des espèces d'avancées de toit ou quoi que ce soit. Ça les met à l'abri eux en fait. Après, ça se faisait. Hein. Moi, je suis tombé quasiment tout de suite. J'ai réussi à survivre assez longtemps dans les rues. Je dirais pas que j'ai survécu très longtemps, mais j'avais plus d'endurance. J'avais un de vie. À un moment, je sais pas comment ça se fait, je suis tombé du toit, j'avais 8 de vie. Alors que tu crois qu'on n'a pas l'immunité à la lune de sang? Ah, moi j'en ai tombé vraiment beaucoup, hein, des zombies par contre. Hein. Ah, mais moi avant que je meure, tu verrais ce que j'avais au cul, ils étaient tous verts. J'en avais ouais. Énormément. Ah ouais, j'en avais vraiment beaucoup. Hein. C'est quoi ça? C'est bizarre, ils sont où? J'ai gaspillé un quintet de munitions, pas possible. Je crois que ça a bugué et qu'ils ont disparu. Non, je pense que ça va revenir. Mais... Et vous êtes allé voir en bas? Ouais, je regarde. Vous êtes dans le bâtiment? Ouais. Ils ont fait des débris partout. Bah tu vois, ils sont rentrés là. Mais sauf que ils sont rentrés, mais vraiment fatas. Ah, c'est qu'il y a un... Non, mais ils ont pas pété mes pièges. Hein. C'est qu'ils sont pas passés assez par mes pièges. Par contre, c'est quoi ces trous là? C'est vous ou pas? Ah, c'est moi quand j'ai pris de la neige rapidement. Alors ça, c'est bien dommage quand même de pas savoir où ils sont. Ils ont quand même pris des dégâts avec tes pièges, là. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Ouais. Ah, c'est dommage s'ils reviennent pas, quoi. Parce qu'on est tous morts, hein. Ah ouais, tu crois que ça fait quelque chose? Non, non, la première vague, on était morts plusieurs fois et c'était quand même revenu. Hein. On était fini, on était morts? On était tous morts en même temps? Je sais pas. Là, je suis allé loin, hein, je les vois pas. Hein. Tout au bout du quartier. Il y a eu un moment donné où on est tous morts en même temps? Pas sûr. Je crois pas, non. Mais moi, quand je suis mort, Zano, il était en vie. Hein. Mais il y a bien un moment donné où. Où il est à côté, quoi. Bah, moi, je pourrais vous montrer. Hein, la vague que j'avais quand je suis mort, elle était juste à côté de chez nous, parce que je faisais le tour du pâté de maison. Il avait vraiment, vraiment beaucoup. Après, ils sont allés, moi, je l'ai fumé cette vague.
Tu m'as dit que tu l'avais fumé avant? Bah je sais pas, mais la Ah, vague Jono, qui il y a des tournait mecs. autour, je me suis mis juste à côté. En vrai, j'avais peut-être 20 zombies sur moi, je me suis mis à la AK-47, j'ai tout mitraillé. D'accord. Mais ce Il y qui en est avait bizarre, vraiment beaucoup, beaucoup, hein. c'est qu'il y a la musique encore, tu vois. Ah oui, je pense qu'il y en avait au moins une vingtaine qui était dessus. Hein. Parce que quand tu nous as dit que t'en avais eu beaucoup beaucoup, c'était avant que je meure. Et moi, quand je suis mort, j'avais l'énorme vague au cul. Enfin, une des énormes vagues, parce qu'apparemment il y en avait plusieurs. Bon bah écoutez, je sais pas, hein. Par contre, c'était Fatas, hein. Ouais. Ah mais c'est dommage là qu'on puisse pas en découdre un peu plus. Tu crois que ça va tenir comme ça jusqu'à genre 4h du matin et que ça va se stopper quoi? Ok, moi je suis sur le toit d'une baraque là et il y en a beaucoup. Ah ouais? Bon. Ah ouais, et ils reviennent. Ah bah Ah ouais, voilà. c'est bon, ils sont là. Hein. Ils sont tous sur ma gueule. Donc là on peut reprendre la hauteur? Ouais. Je vais essayer de rentrer. Ah bah c'est simple, ils ont. Oh putain. Ah bah je rentre par où les gars par contre? Y a l'échelle encore, il y a l'échelle. Ah non non mais Zano il tente le truc. Attends un peu hein. C'est pas moi qui décide. Ah, dommage, c'était à deux doigts. Allez, explose. Nul à chier. Voilà, et moi j'ai du lag de fou. Hein. Je me suis cramé la joue. Oh, il a pété l'échelle! Qui ça? Le zombie crafter là. Les gars, papa nous. Ils ont réussi à monter sur le toit. Ah ouais. Ils passent pas par mes pièges. Oh. Je sais pas par où ils sont passés là, mais. Je suis dans l'assassin. La caille fait mal aussi apparemment. Oh putain! Oh non, je me suis tué dans le dos. Le flic est vivant. Ouais, le flic il a explosé, il a pété la moitié du toit. Ouais, mais tout à l'heure il y en a un qui a pété aussi. Ouais. Ils arrivent encore Zano au même endroit. Oh, tu me heal un peu. T'as pas. Oh merde, y'en a un vert derrière, fais gaffe. Oh merde. Oh, il faut que je descende en plus. C'est-à-dire, t'as pas une mine ou un truc comme ça? Saccager la maison. Ah voilà, c'est. Oh, mais j'ai tellement de lag.
me suis fait vomir dessus. Dur. Il est où ton chemin logique, Goth, déjà? Il est sur une extrémité, il débouche. Mais il passe pas par là, hein. Ils ont fait un plus gros trou à un endroit. Il aurait fallu boucher ce ah trou, oui, en fait. C'était... Oh ouais, je vois des explosions partout. Ouais, la baraque elle est en train de s'éclater quoi. Ah, on peut plus monter du coup. Fais gaffe, quoi, s'il y a des gens qui arrivent. Ah, la porte, la. L'échelle est cassée, ouais. T'as pas de mine toi, Doc? Non, j'ai balancé mes deux grenades de la merde. J'ai plus, j'ai zéro munitions. Oh! Ah, j'ai entendu C4. Ils ont rien à foutre des balles. Ils se relèvent, ils sont en train de monter leur pote en cathédrale là. Ah moi non plus j'ai plus d'endurance là. Ouais je vais mourir. Zano, fais gaffe, y'a du monde à gauche aussi. Oh là 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 là. Ah, ils sont tellement nombreux. Ah, puis il leur faut des balles pour mourir. Hein. J'entends Zano qui claque tout le C4. Oh là 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 là. Ah, j'ai mis près de mon lit, pas sur mon lit, je suis con. Ah, finalement, non, c'est pas trop mal. On crève tous. Ah, et les verts même avec le... Oh non, je me suis enfermé. Quelle abruti. Les verts, tu leur mets beaucoup de balles et... Oh. Oh là 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 là. J'ai trop de... J'ai trop de lag. Ils sont passés. Je suis sur le toit mais je vais pas rester longtemps je pense. Ah ouais mais ils ont éclaté toute l'échelle là. Ouais ouais, ouais. On peut plus monter. Ah ouais donc on a même plus accès à nos munitions quand même. Putain merci Zano. J'ai vu des zombies, je les ai suivis. Par contre, les munitions, effectivement, 200 c'est rien. Ah, ouais, quand même, hein. Je vous le ramène. Oh, wow, je me suis tapé sur le côté. Putain, le pompe, c'est vraiment de la merde, je crois. Moi je divise les jambes, ça les démembre. Mais c'est vrai que c'est bizarrement fait parce que malgré mes points, le flingue fait plus de dégâts que le pompe. Ça se démembre même pas là. Oh non, putain. Oh non mais attends ça fait rien quoi. Eh c'est la première... Par rapport à la dernière fois je trouve qu'on est en problème technologique là par rapport à... Ah ouais de fou hein. On a changé de biome après. Ouais c'est vrai. On se demandait si ça allait avoir un impact. Je pense ouais. Ok. Tape des petits zigzags hein. C'est bon non, on est pas loin de la non, fin. Non mais putain, oui mais c'est fini là.
Mais c'est juste que c'est des zombies verts donc ils courent. Ah, faut avoir les. Je vais encore y laisser une dernière fois la vie. Oh non! Le nettoyage coûte cher. Ah, je suis dégoûté quoi. J'avais pas le temps de me soigner, rien. Je suis content que tu m'aies filé beaucoup de balles de pompe, Zano. Gotha. Et le pompe, je te jure, d'habitude, tu tires dans les jambes, ça les démembre, ils tombent par terre et t'es bien quoi. Là, ça faisait rien. J'ai l'impression même ça ricochait sur l'armure des militaires. Les militaires verts, ils sont énervés quand même. Hein. Ouais, ah bah ouais, de fou. Hein. Ah, dieu, il m'a touché. On a un gros qui me court après, j'ai pas récupéré mon sac. Oh, Zano il y va au cac et il est chaud. Hein. Ah, mais sa machette elle fait très mal. Hein. Ouais, le bras qui tient la machette fait très mal aussi. T'as besoin de munitions de. Oh, putain. De fusil d'assaut. Derrière, 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 vous en avez un. Oui. Oh, j'ai trop de lag aussi. C'est un écorcheur. Hein. Tiens, le shotgun de la tête, ça lui fait mal quand même. Ça le fait tomber? Ah ouais, cool. Oh, il est pas mort. C'est bon, il est mort. Oh, fais gaffe qu'il te pète pas dessus. J'ai mis une balle, ça l'a ralenti. Pète là, non? Ouais, je l'ai mis une flèche. Ah non, il y avait pas lui. Ça y est? Eh bah, il faut revenir à la maison maintenant. C'était quelque chose, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve des livres de robotique et d'électricité et tout. Hein. On va faire quelques pièges. Et par contre, je pense que la première chose à faire, hein, même si ça paraît pas important, c'est l'intégrité structurelle de la maison. On va monter, tout va s'écrouler quoi. Enfin, les seuls joueurs à avoir pété un des plus beaux bâtiments de la ville quoi. Ah ouais, non mais c'est nous qui avons fait ce trou là? Quel en trou haut de là, tout en haut. Ou tout en haut. Enfin, il est hiéré notre bâtiment, hein. Ouais. Ah oui, tout en haut, il y a toujours eu ce trou là. Va falloir qu'on fasse une échelle, non? Ah, mais le shoot du zombie là, avec son vomi qui a détruit toute l'échelle, c'était incroyable. Ah ouais. Ah, puis pas que l'échelle, hein, parce que tu vois qu'il manque un bout de mur aussi. Hein. On va se taire. Le chemin logique, il est plus très logique. C'était intense. Hein. Ah, mais ils ont tout pété? Ah, ils ont pété, ils ont fait des trous partout hein, pour passer. Hein. C'était vraiment, ils étaient à 50 en mode, bah vas-y, on fait un trou ici maintenant. Non, mes pièges étaient là. Ah non, il y a encore mes pièges. Ouais. Ah, c'était intense quand même. Hein. Bon, écoute, c'est parfait. Hein. Et au moins, ça varie les plaisirs. La dernière fois, on avait trouvé ça presque trop facile. Ah bah on avait trouvé ça trop facile. Ouais c'est vrai. Du coup bah on peut se dire que voilà. Ça va nous challenger pour la prochaine vague. Putain regarde. Sur le toit là c'est un scandale. Hein. Oh. Pas envie d'entendre. C'est un gros. Eh, je suis en train de me dire ça y est du coup je lag plus là. Ah c'est quand il y a beaucoup de zombies que je lag. Lag. Ouah, ce trou. Le trou. Ouais là, c'était. Et c'est surtout par là qu'ils sont passés les anneaux, je crois, non? Non, je sais plus.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont passés sur la droite, mais de l'étage d'en dessous. Là, ils ont laissé ma caisse. Il y a des trous partout, de toute façon, on va falloir les condamner, les trous, voir mettre des pièges dedans, hein. En bois, hein, ça coûte rien. C'est quoi cette merde là? Ah oui, c'est moi, je me suis excusé. C'est quoi? C'est une texture, j'ai peint le mur. Ah, ah d'accord. Tu peux pas le dépeindre? Non. C'est... Ah bon, je repeins pas dessus. C'est dommage là, j'ai l'impression qu'il faut aller chez le dermato. Ça fait triste. Oh, tu dois bien pouvoir le dépeindre, non? Le dépeindre, je suis pas sûr. Je vais essayer. Mais... Tu peux repeindre par-dessus de la brique, non? Ah oui, mais ah le, oui, smoothie, bon. Le smoothie Yuka, c'est masterclass quand même. Oh, mais regardez. Ah ouais? Et je peux nettoyer les murs. Ouais, je vois ça, ouais. T'en as en rate du smoothie ou pas? Ça fait 22 de nourriture, 11 de santé, 78 de eau, 15% de régénération d'endurance, 30% de résistance au froid. Ah ouais. Le smoothie, résistance au froid. Ouais. Bon. Alors, on a mis deux par terre là si tu veux regarder. T'en veux un, regardez les gars. Non vas-y vas-y. Je peux repeindre les. Les poutres. Les tuiles. Les poutres. Pour les nettoyer. Belle IPN hein. Ah ouais c'est pas fou. Assez fort Doc là. Ah, franchement je fais ce que je peux Zano. Bon, en tout cas, tous nos coffres, voilà, ils ont tenu. Notre fierté un peu moins, mais les coffres, oui. On n'y avait même pas accès. Non, mais tu vois, personne a joué le mauvais joueur à s'enfermer dans les coffres. En disant, venez me sauver ou on perd tout. Bon, bah nickel, c'est beau pour conclure tout ça. On va se rattraper à la vague 5, quoi. Ouais, on verra bien. Chaud, hein. Ouais, on verra bien. Allez, on se retrouve après cette vague, comment dire, écoutez, je suis sans voix. Si on récapitule la vague 3, on s'était dit ça y est, on tient quelque chose, on n'est pas mort. On l'a vraiment démonté cette vague, hein, c'était très facile. Et là, cette vague 4, bon, écoutez, on ne sait pas trop, peut-être que vous pourriez nous aiguiller dans les commentaires. Est-ce que c'est aussi en lien avec eh bien, le biome neige qui a l'air un petit peu plus compliqué? On sait que quand on va voir les différents joueurs, on a aussi un niveau de section et que cette niveau de section nous donne eh bien, un petit peu la difficulté mais également la rareté du butin qu'on pourrait avoir. Ça, vous pouvez nous aiguiller, voilà. On ne sait pas trop, mais là, c'était vraiment très violent. Alors malheureusement, comme vous avez vu, j'ai quand même pas mal de lag. Franchement, je trouve que même lorsque je bouge un petit peu simplement l'écran, la vue du personnage, c'est au-delà du lag, ça bave un peu. Les textures, c'est compliqué. Alors mettre un clic droit pour viser en pleine tête, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, au-delà des excuses, on est très conscient que... Eh bien, technologiquement, ça tient pas. On s'est fait rouler dessus. Ça nous a donné eh bien, envie d'en découdre encore plus pour la vague 5. Il faut absolument que j'arrive à atteindre ce qu'il faut au niveau robotique, piège et électricité pour faire un mix de tout ça et qu'on puisse eh bien, peut-être voir des pièges un peu plus mortels. Parce que là, vous avez vu, on a quand même usé de C4 et tout. Et ça a quand même été compliqué. Bon, il y a eu un petit ventre mou à un moment parce qu'on trouvait plus la vague. Heureusement, le doc les a récupérés, nous les a ramenés et on a pu continuer. J'ai une mort vraiment très bête sur la fin. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. On est quand même sur une chaîne où le slogan c'est sans skill ajouté. Au moins, je ne mens pas. On pourra pas s'en prendre à moi là-dessus. Mais voyez, je commençais un petit peu à me lasser progressivement du jeu. Et là, le fait qu'on prenne une petite pignée, ça a relancé un petit peu l'intérêt. J'ai vraiment hâte de me retrouver avec eux, vague 5, pour régler nos comptes. Et surtout, pour une fois, de faire un chemin logique. Je pense qu'on ne prend pas assez de temps eh bien, pour préparer la base, pour essayer de faire un chemin et... assez blindé de pièges. Après, on voulait pas s'amuser à faire un peu, vous savez, pour ceux qui ont joué à RimWorld, vous faites un couloir, je sais plus comment ils appellent ça, les Doom, enfin, le but c'est vous faites un couloir blindé de pièges et de mitraillettes auto, et puis comme ça, bon bah ciao, hein, vous mettez au bout, vous avez même pas besoin de tirer, mais c'est pas, pour moi, ça serait presque tricher, vous voyez. Mais bon, là, il y a quand même une différence entre ce qu'on fait, c'est-à-dire... Allez, 12 heures avant que la vague arrive, donc je sais pas, ça doit nous faire 15 minutes, on commence à s'exciter, à aller faire du bois, à renforcer et tout. Et puis, on se fait laver, quoi. Donc, voilà. Les objectifs qu'on a, c'est d'améliorer nos compétences, notamment celles que j'ai, je le rappelle, en robotique, piège et électricité, pour faire quelque chose d'un petit peu plus solide.
Voilà, on verra au niveau des maisons si on reste là. Mais je pense que oui, c'est assez fastidieux de tout transporter à chaque fois. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec le biome neige. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit like. Ça fait toujours plaisir sur ce genre de vidéo. N'hésitez pas à communiquer en commentaire. Je vous répondrai. Les échanges sont toujours intéressants. Je le rappelle, du moment que c'est constructif, si vous faites eh bien, simplement que nous descendre. C'est votre droit, mais ça n'ouvre pas, eh bien, les échanges, ça ne donne pas envie d'être dans le dialogue. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu des astuces sans trop tout révéler et à vous donner votre ressenti. Et surtout, eh bien, abonnez-vous, écoutez, c'est ce qui permettrait de faire décoller un petit peu plus la chaîne, notamment à cette rentrée. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vague. Allez, ciao!